Bonjour et bienvenue dans notre émission Parole d'experts et aujourd'hui nous allons aborder les sujets autour de, du rôle des médias dans la société actuelle ainsi que des réseaux sociaux et de cette place très prédominante. Pour cela j'ai le plaisir de recevoir M. Philippe David, animateur, chroniqueur, journaliste sur Sud Radio et également auteur engagé. Bonjour. Bonjour Tony. Et bienvenue chez nous. Ah ben, un grand plaisir d'être là, un site absolument magnifique. Merci. Philippe. En quoi les médias sont-ils un outil, un pouvoir important pour l'équilibre de la société aujourd'hui Alors c'est un pouvoir plus qu'important, c'est un pouvoir malheureusement, vous savez, les deux professions les plus haïes de France, c'est homme politique et journaliste. Je pense que ça tombe très bien. Vous avez un journaliste et dans quelques minutes, je crois, vous aurez une femme politique très connue, ancienne ministre, avec vous. Exactement. Donc vous avez les gens les plus détestés de France qui viennent vous voir. La preuve que vous avez un du courage et deux de l'humour. Euh, pourquoi c'est les deux professions les plus détestées Alors je vais surtout parler des journalistes et pas des politiques, parce que aujourd'hui, le métier de journaliste a été quand même, faut le dire. Euh, assez, euh, assez dévoyé par euh, bah, par l'institution quelque part elle-même Je vais vous prendre plusieurs exemples pour moi le journalisme ça doit être le journalisme objectif je n'y crois pas ça au moins c'est clair on commence je le dis d'entrée de jeu mais parce que si vous regardez sur les 30 dernières années le journalisme est devenu une espèce de sorte de pensée unique où tout le monde pense la même chose. Alors, au moins, c'est pas trop compliqué. Je vous rappellerai, il y a 30 ans, c'était le traité de Maastricht. Tous les journalistes, tous les journaux, toutes les chaînes de télévision, toutes les stations de radio disaient qu'il fallait voter oui. Vous prenez la même chose euh, 15 ans plus tard, euh, enfin 13 ans plus tard, c'est euh, le traité constitutionnel européen. Tout le monde, dit qu tout le monde disait qu'il fallait voter pour le traité constitutionnel européen. Sinon, on était un ringard, un passéiste, ou alors pire, un factieux, etc. Et puis, si vous regardez la dernière élection présidentielle, il y avait, vous vous rappelez, cette image d'un kiosque à journaux qui montrait partout des photos de Macron avec des commentaires dithyrambiques oui. et tous les médias français disaient qu'il fallait voter Emmanuel Macron, que sinon on n'avait rien compris. Mais quand on voyait ce kiosque à journaux, on se disait qu'il y avait à peu près autant de pluralisme dans la pensée qu'à Pyongyang dans un kiosque à journaux. <laughs> si vous voyez ce que je veux dire. Et les journalistes ont un pouvoir énorme. Je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. <laughs> La dernière élection de Joe Biden. Oui. Joe Biden n'est pas passé de tant de voix que ça. Si on regarde les choses, ça s'est joué sur quelques swing states, mm -hmm. comme il dit, des états clés. Mais c'est un exploit pour Trump qui avait tous les médias contre lui. Absolument tous les médias contre lui. De New York à San Francisco, tous les médias étaient contre Trump. Mais on parlait de lui. Mais on parlait coup. de lui. Oui, mais quand on parle. Alors, c'est là où c'est quand même important. C'est si a amusant. On est en période de présidentielle. Qu'on le veuille ou non, on a des candidats déclarés, des candidats non déclarés, des candidats déclarés à des primaires. Et euh, vous savez qu'on doit rendre des temps au CSA. Oui. Mais je vais vous prendre un exemple. Vous, vous êtes extrêmement bienveillant. Vous recevez bien les gens, etc. Est-ce que c'est la même chose Dix minutes de parole face à un journaliste qui passe son temps à vous dérouler le tapis rouge et à vous cirer les pompes, ou dix minutes d'interview avec un pitbull qui essaye de vous faire dire une connerie non, 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 en effet. Donc, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que certains. Le, 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 les médias français se sont tellement dévoyés dans nombre de domaines que c'est pour ça que les Français n'aiment pas la profession de journaliste et n'aiment pas les journalistes. Mais est-ce il n'y a pas un facteur qui a, fait, qui a poussé justement euh, à ce que les Français aujourd'hui aient une réticence pour le journalisme Alors, je crois. Je vais vous avouer une chose. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, je suis devenu journaliste à 50 ans. Pour avoir fréquenté beaucoup de journalistes, le souci, c'est qu'ils sont passés par des écoles de journalisme, pour la grande majorité d'entre eux, où ils sont complètement formatés. Vous savez, il y avait eu un sondage, je crois que c'était en 2002, au moment de l'élection présidentielle. En école de journalisme, 94% des, journa des, des élèves journalistes disaient voter à gauche. 94%, excusez-moi, ça s'appelle un score brejnevien. On est à plus de 90%, c'est un score brejnevien. Comment peut-il y avoir un pluralisme dans la, de la pensée quand 94% des gens qui font l'information pensent d'un côté et seulement 6% de l'autre? Ouais, je suis Ça pose question. Donc, le problème est aussi sur le formatage. Et malheureusement, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Et comme depuis des années, euh, les Français se sont fait bananer, on leur a raconté des histoires et qu'ils le comprennent de plus en plus, eh ben, il se passe la chose suivante c'est qu'en général, ils renversent la table. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur Par exemple, le, le, le phénomène aujourd'hui des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas un média ah ben, Bien sûr. Alors, surtout, il y a quand même une chose intéressante c'est <coughs> là où on voit à quel point en France, on n'a pas su évoluer. Euh, les réseaux sociaux et l'Internet. Je, je vais globaliser. C'est totalement mondial. Mmh. Vous mettez une info à Sydney, une seconde après, elle est à Paris, elle est à Washington, elle est à Pékin, elle est à Tokyo. D'accord euh, C'est pour ça que c'est quand même amusant. Les sondages qui sont interdits en France jusqu'à deux jours avant les élections ou trois jours avant les élections. Et vous allez sur la télévision suisse romande ou la RTBF, c'est-à-dire, je prends les Suisses, oui. les Belges, ils parlent français, c'est à côté. Vous avez les sondages le jour même des élections. Vous voyez un peu, mais on vous dit, ah non, attendez, en France, il n'y a pas de sondage. Oui, oui, mais si on peut les regarder oui. sur votre ordinateur ou votre téléphone, alors en plus dans votre langue, c'est pas trop compliqué. Oui, mais du coup, ça emmène à des dérives. Ah oui, mais ça amène à des dérives, bien sûr. Par contre, les réseaux sociaux. C'est un amplificateur. Et quand, euh, par exemple, vous savez, vous avez vu la vidéo de l'agression euh, de oui. la professeure euh, à Comblaville, c'était il y a quelques semaines. Oui. Ça, a fait, ça a pris une ampleur, des agressions comme ça, des profs qui se font agresser. Il y en a tous les jours dans les lycées de France. Tous les jours. Euh, et là, comme ça a été filmé et que c'était vu à plus d'un million, je crois, de, de vues sur Twitter au bout de, de quelques heures, c'est sûr que ça a pris une ampleur. Et après, quand on nous dit non, non, être prof c'est un métier tranquille, il y a beaucoup de vacances, etc., et qu'on voit ça, on se dit tiens, en voyant cette vidéo, cette prof, elle a un an de la retraite, je ne sais pas comment elle a fait pour tenir aussi longtemps oui ce que ah je veux oui, dire et donc les réseaux sociaux montrent des choses que les médias ne montrent pas d'où leur intérêt oui mais du coup euh, est-ce qu'il ne faut pas que ça soit plutôt euh, contrôlé et régi parce qu'aujourd'hui il y a aussi plein de fake news euh, sur les réseaux et euh, sociaux et comme les la population est plutôt jeune euh, sur ces réseaux sociaux en tout cas sur la partie Instagram Facebook euh, et je me pose la question justement le fait qu'il n'y ait pas de d'école de, de journalisme là-dessus le fait qu'il n'y ait pas de, de de code entre guillemets euh, Autour du journalisme, est-ce que ça pose pas aujourd'hui un, un réel problème Et du coup, les journalistes d'aujourd'hui, bah comme l'info euh, sort euh, avant qu'eux-mêmes aient l'info, bah ils bâclent un petit peu leur euh, Alors... euh, leur papier. <laughs> moi, je suis contre les commissions de censure. Euh, je, je, vous n'avez pas trop connu l'Union soviétique, ça s'est dissous <laughs> il y a 30 ans, vous étiez jeune, moi j'avais une vingtaine d'années, euh, un j'avais 25 ans à peu près. En Union soviétique, il y avait deux journaux la Pravda, veut mm -hmm. dire la vérité, le seul problème c'est qu'il y avait rien de vrai dedans, et les Izvietia, c'était les nouvelles. Et les deux journaux passaient par la même commission de censure, parce qu'il y avait ce qu'on peut dire ou pas. Et les soviétiques, qui avaient beaucoup d'humour, disaient si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvietia. Parce ouais. que les informations qu'on voulait cacher, comme elles passaient par la même commission de censure, elles ne sortaient pas dans un journal, elles ne sortaient pas dans l'autre. Euh, moi, je crois que les... Parce que les fake news, alors ça, ça m'amuse beaucoup. Il y a Colin Powell, qui est mort il y a mmh. quelques jours, l'ancien secrétaire d'État américain. D'accord Vous vous rappelez l'affaire de la fiole oui. d'armes chimiques aux Nations Unies pour déclencher une guerre sur des mensonges. Tous les médias américains, mais tous Fox News, CNN, donc de bord complètement mmh. différents. Tous, tous, tous disaient, l'Irak a des armes de destruction massive, l'Irak va attaquer, l'Irak va faire des millions de morts. C'était de la fake news totale. Par des médias, désolé c'est un anglicisme, oui. mainstream. Et même par les gouvernements. On a censuré euh, ces, ceux, euh, ces fake news euh, Non, malheureusement. Donc parfois, vous savez, je, je me rappelle, alors on est en pleine crise du Covid, on nous disait, ceux qui disent qu'il va y avoir un passeport sanitaire sont des complotistes. Ah maintenant, c'est l'inverse. <laughs> voilà, maintenant on dit Ah ben non, 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 mais euh, c'est. Vous voyez ce que je veux dire Vous oui, disiez sûr, ouais. il va y avoir un passeport sanitaire, on vous dit vous êtes complotiste. Non, on n'était pas complotiste, on était visionnaire, c'est tout. Et justement, Philippe, média égale médiation. Le journaliste, il se positionne, euh, commande euh, sur ces, sur ces sujets-là Alors. Y a... Et peut-il prendre position Alors, déjà, déjà. Le, le, le journalisme neutre en France n'a jamais existé. D'accord. Bon, on va remonter à une époque où ni vous, ni moi, ni personne ici n'étions nés. Depuis la Révolution française, vous voyez que ça date un peu. Ça fait, euh, fait à peu près 250 ans, d'accord Le journalisme en France n'est pas neutre. Le journalisme en France est engagé. C'est comme ça. Quand vous achetez l'IB, vous savez que vous allez avoir une opinion de gauche. Quand vous allez écouter France Inter, vous savez, pourtant c'est le service public, vous savez que vous allez avoir une opinion de gauche. Si vous regardez CNews, vous savez que vous aurez mmh. une opinion de droite. Et euh, vous voyez ce que je veux dire C'est comme ça, les médias en France sont engagés. C'est un état de fait. Donc, personnellement, moi ce que j'aime quand on travaille à Sud Radio, c'est que les, les politiques qui viennent m'ont toujours dit... Qu'on soit du RN ou de la France insoumise, on est traité strictement de la même manière. Moi j'ai une pratique, je traite tous les gens qui viennent dans mon studio, dans les vraies voix, strictement de la même manière. Et je faisais la même chose dans le grand matin week-end, dans Seul contre tous et dans le grand référendum. C'est les émissions que j'ai fait auparavant. C'est un principe, on doit traiter tous ces invités de la même manière. Parce que, comme je vous le disais, 10 minutes d'interview à essayer euh, de se défendre des mmh. accusations qu'on vous porte, ou 10 minutes d'interview où on vous tire le tapis rouge, ce n'est pas du tout la même chose. Ah non, on est bien d'accord. Et moi, je mets les gens devant leurs contradictions, je leur pose des questions quand, euh, quand ils disent une contre-vérité, ou je les contredis. Par contre, jamais d'agressivité, toujours de la bienveillance. Ça, c'est le B.A.B. B. Et vous le savez, vous êtes bah déjà venu oui, en studio. Exactement. Et, euh, et je confirme effectivement, vous donner la parole à tout le monde. Ça, c'est une chose qu'on qu voit de moins en moins d'ailleurs dans les médias aujourd'hui. Absolument. Euh, Philippe, le, qui est le propriétaire euh, du média L'actionnaire Le lecteur euh, L'auditeur Le spectateur C'est un peu tout à la fois. Alors par contre, nous, on appartient à un très gros groupe hein, qui s'appelle Fiducial Media. D mmh. Le groupe Fiducial, je crois que c'est 17 000 salariés. Moi, j'ai une liberté totale d'inviter qui je veux, de faire les sujets que je veux, etc. Donc ça, au moins, c'est une simplicité claire. Alors, évidemment, on appartient à un actionnaire, on appartient également, quelque part, à nos auditeurs, parce que c'est eux qui sont là. On fait de la radio pour eux. Moi, quand je fais de la radio, il y a des sujets hyper pointus que j'adorerais aborder, mais certains n'intéresseraient absolument pas l'auditeur. Et comme je n'ai pas envie qu'ils partent écouter quelque chose, parce que le sujet ne l'intéresserait oui. pas, J'essaye, on essaye de faire des sujets qui parlent aux gens, les sujets de la vraie vie. Les taxes sur les carburants, ça les concerne. Parce que quand ils vont faire leurs courses euh, ou, ou quand ils amènent les enfants à l'école, vivez en province, vous êtes obligé d'avoir une voiture. J'ai passé la moitié oui. de ma vie, je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est sûr que quand on habite Paris 1er et qu'on travaille à Paris 4e, on peut même y aller à pied, on peut y aller en vélo, on peut y aller en trottinette, on peut y aller en bus, on peut y aller en métro. Vous êtes d'accord Oui. Euh, par contre, si vous faites être comme de nombreux Toulousains, une ville qui m'est chère, euh, qui travaille à Toulouse maintenant, mais qui habite à Montauban, 40 km d'autoroute, pourquoi Parce que le prix de l'immobilier a flambé à Toulouse et qu'à Montauban c'est beaucoup moins cher. Ben bah, évidemment, là, euh, les trains ce n'est pas toujours aux heures les plus pratiques, donc bah, on y va en voiture. On toujours pas la ligne TGV d'ailleurs Oui, oh, bah, ça, euh, vous savez, ça <laughs> fait 30 ans qu'on en parle. Euh, là, euh, la ligne TGV. Alors a priori, ça devrait arriver pour 2030. Mais euh... ben là, les prix vont encore euh, grimper pour le coup. Ah, ben oui, au, 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 million, au nombre de millions d'euros par kilomètre, ça fait, un, ça fait un peu peur, surtout vu la dette de la SNCF. Ça. <laughs> Et du coup, Philippe, euh, pourquoi les, certaines personnes ne se retrouvent pas dans l'offre médiatique aujourd'hui qui est proposée euh... Parce que tous les médias disent, enfin, nombre de médias disent à peu près la même chose. Objectivement. Euh, y, y a, y a, vous savez, vous connaissez, il y a le prêt-à-porter il y a le prêt-à-penser. Mmh. Donc on vous dit, voilà, faut penser comme ça. Alors il y, y a des sujets tabous dont on ne peut pas parler. Nous Notre slogan, c'est parlons vrai. Alors on parle de tout et sans tabou. Euh, mais il y a des sujets, vous ne pouvez pas dire certaines choses. Aujourd'hui, on le voit, il y, y a des sujets tabous dont on ne peut pas parler. On n'a pas le droit de se poser une question. Je vous prends un exemple, les vaccins contre le Covid, ils ont quand même été faits très très vite. Oui. Parce qu'on est d'accord là-dessus, mmh. on n'a pas le droit d'émettre le moindre doute en disant, bah tiens, Colin Powell, il est mort après deux doses de vaccin. Est-ce que le vaccin est si efficace que ça Alors que ça devait protéger mmh. des formes graves. Si on meurt après deux doses de vaccin, est-ce qu'il est si efficace que ça Dire ça, on est à la limite du blasphème. Et moi, je vois certains qui auraient envie de remettre des bûchers pour les blasphémateurs. Parce qu'on parce qu en oui. est là. Et poser ce type de questions, c'est devenu interdit. Ben moi, j'aime bien les poser. Oui, mais du coup, les chaînes, euh, pour le coup, censurent un peu. Ils, ils, ils nous font passer des, euh, des messages euh, pas forcément euh, à l'écoute de, 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 des, des lecteurs, des auditeurs. Des préoccupations lecteurs, des gens. Des préoccupations des gens, puisqu'il y en a qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'offre médiatique. Donc, euh... Ah, mais ça, c'est clair. Mais ça, c'est évident. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des médias qui sortent un peu, euh, oui. comme on dit, des sentiers battus. Et qui parle vrai des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est ceux qui concernent les gens. Bien sûr. D'accord hein. Je veux dire, euh, à la rigueur, la cuisine interne aux Républicains pour l'élection de leur candidat, ou le fait que Anne Hidalgo ait été euh, intronisée candidate du PS à quatre personnes autour d'une table, et qu'elle n'a même pas voulu d'un débat contre Stéphane Le Foll, euh, que tout ait été organisé pour qu'elle soit candidate. Je veux dire, euh, la tambouille au sein des partis politiques, à votre avis, est-ce que ça intéresse les gens pas tant que ça. Non. Après, la présidentielle, ça va les intéresser. Oui. Mais les, les tambouilles internes, les gens. Euh... Bon, on verra, de toute façon, parce qu'on se le voit dans les, dans, dans les urnes aujourd'hui, il euh, y a une abstention qui est, qui est, qui est énorme aujourd'hui. Ah ben, Excusez-moi, mais Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour il euh, y a 4 ans et demi avec 43% des inscrits. Donc 43% des inscrits, c'est loin de faire une majorité. Et donc, on est d'accord. On est complètement d'accord. Mais du coup, est-ce que les médias n'ont pas eu un rôle dans ce... ben, sur, sur ce, et sur je ce pense que là. justement c'est là où c'est le plus douloureux, c'est que quand vous avez tous les médias pour vous et que vous n'atteignez pas 50% des inscrits, là c'est particulièrement inquiétant. Je vous rappelle une chose, François Hollande avait fait mieux. Ah oui, par rapport au nombre d'inscrits, vous pouvez vérifier, François Hollande avait fait mieux. Il a fait, je crois, 49, Ça a été le premier président, je crois, qui a été élu avec une minorité d'inscrits. Mais alors, 49,95% ou 98% ou 88%, juste un petit peu en dessous. Là, on est passé à 43%. Ah oui. Donc, c'est pas un vote d'adhésion. C'est un vote de rejet. Mais j'ai écrit un article il y a quelques jours sur Média. Mmh. J'ai posé la question, va-t-on encore avoir un président par défaut Parce que depuis ah, 1974, Depuis 1974 les gens votent contre. Il y a un seul cas où les gens ont voté par adhésion, c'était Sarkozy en 2007. Mais après, bon, il a déçu beaucoup de monde, il avait promis le car cher, il a été remplacé par deux choses, par Kouchner et par un plus beau. Alors effectivement, <laughs> il l'a payé très cher, c'est ce que j'ai écrit dans le papier euh, cinq ans après, quand il a tenté de se faire réélire. Philippe, l'émission arrive à sa fin, que souhaitez-vous faire passer comme message aujourd'hui euh, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent Alors, je pense qu'on va vivre une année absolument extraordinaire. Ça, je tiens à le dire. Alors, vous savez ce que c'est je ne parle pas d'année calendaire. Hein. L'année médiatique, c'est septembre-juillet. Parce qu'on va avoir, à mon avis, une présidentielle... J'en parlais avec, euh, avec André Bercoff et avec Patrick Roger. André Bercoff, qu'on qu retrouve de midi à 14h sur Sud Radio, qui est un ami avec Patrick Roger, qui fait la matinale avec Cécile de Ménibus et qui est le DG de Sud Radio. Je leur ai dit « On a la présidentielle la plus importante depuis 1981 ». Et euh, ils étaient tous les deux d'accord. Je pense qu'on va avoir une présidentielle absolument passionnante. On va avoir une année politique absolument passionnante. Et alors, comme l'année calendaire va se terminer par une Coupe du Monde où l'équipe de France va aller défendre son titre, je pense que j'ai un seul mot à dire pour conclure vivement 2022. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Au plaisir de revenir d'ailleurs parce que le lieu est fabuleux, l'accueil est génial et c'est un plaisir d'être ici. Avec grand plaisir, vous étiez avec le web magazine Ville Intelligente Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.